Tu aimerais débloquer une arme craftable free to play de Sumeru supplémentaire, tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va traiter la suite des quêtes autour d'Aranyaka. Et à la fin de celle-ci, on pourra débloquer un objet de quête qui nous servira à échanger contre un plan de forge. On a déjà traité la vidéo concernant le comment obtenir toutes les armes free to play craftables de Sumeru. Eh bien, je t'invite à aller la check, ça sera en description ou par là à l'écran. Dans cette vidéo, on va avoir du coup un objet de quête supplémentaire et on va commencer sans plus attendre. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici, tu retrouveras des résolutions d'énigmes, de quêtes cachées, succès cachés, des routes de phare optimisées, des guides dans tout genre sur Genshin Impact. Donc, quand on va dans l'inventaire, eh bien, on a ce petit livret. Et ça, ce livre-là, en fait, on l'a depuis normalement la deuxième quête. Au même moment où on a débloqué notre premier objet de quête, ainsi que la lire ancienne. Ok, donc ce gadget là, hein, Aranyaka, quand on le lit, on a différentes quêtes à réaliser. La quête qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle autour de Vimana Agama. On va du coup faire accéder et on va aller la continuer ensemble. C'est parti, les amis. On va se TP à cette statue des 7. Let's go. Ok, lorsqu'on est à la statue des 7, et eh bien on se dirige directement vers le point, l'objectif en tout cas. De cette vidéo, c'est parti. Ok, faut se diriger en contrebas, un peu sur notre gauche, ici. Et on va aller lui parler, c'est parti. Ok, dès qu'on lui a parlé, il va falloir aller au prochain point, juste ici. Il va falloir examiner l'endroit et c'est ceci qu'il va falloir récupérer. C'est parti, on continue, tout droit. Sur la droite. Dès qu'on a détruit les mobs, on va aller en contre-haut. Et c'est ici cet objet qui nous intéresse. Ok. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Ensuite, le prochain pont se trouve là. On va aller se TP là. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo. Mais le mieux resterait au préalable de tout simplement activer tous les points de TP. Histoire de gagner du temps. Bon, là, à la rigueur, on va y aller à pied. Histoire de ne pas vous perturber, entre guillemets. Mais voilà, il va falloir aller tout en face. C'est parti. On va voler. Alors après, vous pouvez voilà, directement utiliser ça, cela dit. Hein. Pas besoin de voler, au moins vous gagnez un temps fou. Hop. Je pense même qu'en fait, on va beaucoup plus vite comme ça que directement via le TP. Donc, dès qu'on arrive à ce point, normalement, on va avoir un mob à détruire. Ouais, celui-ci va nous faire chier. On va le détruire d'abord. On va au prochain point. On va s'enfoncer du coup là-dedans. Ok, dès qu'on arrive ici, du coup, il va falloir prendre ces genres d'arbres là, ces racines d'arbres, ce qui va nous permettre ensuite d'accéder à différents endroits. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce gadget, enfin du moins ce nouveau mécanisme pour gagner un maximum de temps. Il faut rester en hauteur, n'allez pas en bas, les amis. Ok, l'objectif est vraiment d'aller tout en haut. Hop, en fait, on va suivre tout simplement ça, hein, cela dit. Je pense que c'est ce qui reste le mieux à faire. Donc là, on arrive ici. Et l'objectif va être d'aller tout simplement ici. Voilà. Hop. Tout simplement ici. Et lorsqu'on est là, eh bien, certainement qu'on va avoir un autre endroit à aller chercher. Voilà. Donc le prochain point se trouve sur notre gauche cette fois-ci. On va continuer à s'enfoncer un peu dans la grotte. Et on va continuer à utiliser ce mécanisme. Et pour le coup, nous carry bien pour le moment. Hop, et le prochain point se trouve là. Très bien. Ça c'est fait, on continue. Toujours pareil. Le prochain se trouve pas très très loin d'ici normalement. Hop. Ah. Déjà, on a le TP ici, qu'on va pouvoir activer, bien évidemment. Donc là, si vous m'avez suivi, vous avez compris ce que j'ai fait normalement. Hein. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire que utiliser le mécanisme. Hein. À chaque fois, prendre le suivant. Il y a un chemin qui est bien prédéfini. Donc en réalité, là, j'ai rien fait de particulier. Je découvre en même temps que vous. Donc hop, et le prochain point se trouve juste là. On va parler à cet homme. Fait, on va se diriger au point de TP. Et on va parler à Araricane. C'est parti. Encore une fois, il va falloir aller là-bas. Ok. Ça c'est fait. Prochain point ici, on se TP là.
Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'énigmes. C'est que des points à aller chercher tout simplement. Et beaucoup de dialogues. J'ai bien peur que cette vidéo soit ultra longue. Mais voilà, on verra bien. Pour le vieil homme, là, à un moment donné, vous allez devoir lui donner de la thune. Vous lui pouvez payer, je pense, à peu près. Je crois que c'était 450 000 que j'ai donné. Voilà. Ok, quête terminée. On a du coup gagné une bourre de Mora ainsi que eh bien, des primogèmes supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt cool. On va continuer cette quête et on va aller à ce point. C'est parti, vous me suivez. On va prendre ce TP. C'est à mon avis une quête qui va encore nous donner un maximum de primogèmes. On va passer par là. Et le prochain point est face à nous. Nickel. Ok, dès que c'est fait, on va pouvoir continuer ceci. Donc là, il va falloir jouer de la lyre ancienne, bien sûr. Et une mélodie va se proposer à nous qu'il va falloir suivre une nouvelle fois. Voilà. Hop, la lyre ancienne utilisée. Et ça va faire disparaître ceci, je pense. Vous avez juste à taper dessus. Sinon, ça ne se fait pas naturellement, d'accord? Donc il va falloir taper dessus et ensuite, vous pourrez rentrer dans la grotte. Ok, on continue notre aventure dans la grotte. J'ai pris, sans faire exprès, un Dendroculus, dommage. Donc celui-ci, va falloir le noter. Hop, ici, le Dendroculus que j'ai pris, malencontreusement, puisque ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais bon, c'est pas grave, au moins c'est fait. Alors, ensuite, on continue à s'enfoncer dans la grotte. Hop, et on va devoir inspecter quelque chose en contrebas. En l'occurrence, quelque chose qui se trouve face à nous actuellement. Ensuite, on continue tout droit. On va aller à droite cette fois-ci. Et on fait examiner. Ok, dès que c'est fait, on continue. Alors, à chaque fois, en gros, ils vous donnent le. Enfin, à chaque fois que vous voyez un genre de mécanisme comme ça, finalement, ils sont placés comme il faut, puisque ça vous dirige directement vers l'endroit où on doit se déplacer à chaque fois. Donc, soyez observateurs pour gagner du temps. N'hésitez pas à prendre ce genre de mécanisme. Ok, on a fini ça. On va se déplacer ici. Donc, on va se pro-TP au petit village là. Et on va aller au prochain point qui se trouve face à nous. C'est parti. Wow. Hop, allez là-bas, je pense. Tac. Directement. Et allez parler au vieil homme. Ok, on a fini de parler avec le vieil homme. Prochain point. Normalement, ça devrait nous l'afficher. Voilà, directement. Trouver les pièces du mécanisme. C'est parti. Donc, pour résoudre finalement, eh bien, cette grande partie, entre guillemets, cette quête secondaire principale, eh bien, va falloir du coup répondre, enfin, du moins, résoudre les énigmes autour de ce chapitre et de ce chapitre. C'est parti. On commence directement avec celui-ci. Donc, le chapitre numéro 1 se trouve là. On va prendre le TP. Si vous ne l'avez pas, à la rigueur, vous pouvez prendre soit ce TP ici, soit cette statue des 7 et marcher jusqu'au prochain point. Mais voilà, je vous avais conseillé au préalable de activer tous les points de TP et statue des 7. Donc là, on se retrouve directement au point de TP. Ce sera notre, du coup, notre point de repère, le point de TP qui se trouve voilà, ici sur notre droite. Et on va continuer dans cette pièce, puisque c'est dans cette pièce que se trouve le premier, pas indice, enfin, la solution pour la quête secondaire principale. Donc on va arriver ici, très bien. On va se servir de ça. Tac, nickel. Et on arrive ici. Dès qu'on arrive là, on est dans une nouvelle pièce. Ah, on a ceci en haut. Hop, on va aller tout en haut. Très bien. Et on va peut-être pouvoir continuer dans cette pièce-là. On a des fées. Je pense que les fées peuvent nous servir à quelque chose. Donc, on va les suivre. Là, on a la petite fée. Qui nous amène tout en haut. Qui est juste là. Hop là. Donc là, en gros, je pense qu'il va falloir du coup amener chacune des fées, entre guillemets, au point de rendez-vous, en l'occurrence ici, et que le mystère se cache peut-être derrière. Donc la première fée, c'est celle qu'on avait vue au départ, hein, c'était celle en contrebas, hein, elle est directement en fait dans la ligne que vous prenez grâce au mécanisme. Donc là, on va aller la rechercher à nouveau, ok, et on va la suivre, puisque cette dernière va normalement se diriger vers le mécanisme en haut. Très bien.
certainement que ce dernier hein, mécanisme nous permettra derrière eh bien de faire descendre l'eau comme très très souvent. C'est le cas. Hop là. Donc là, première fée. Ici, nickel. Donc première fée mise en place. La seconde se trouve ici. Donc si elle est coincée en haut, vous inquiétez pas, on va trouver la solution. Donc là, pour pouvoir aller choper la fée qui se trouve tout là-haut, qui est vraiment contraignante pour le coup, va falloir l'élément électro. On va prendre Shogun Raiden et on va mettre le petit élément électro. Ce qui fait qu'on saute beaucoup plus haut, comme tu peux le voir. Donc la solution pour pouvoir accéder à cette fée, c'est de mettre l'élément électro sur ce genre de champignon. Ce qui fait que tu rebondis beaucoup plus haut que la normale. Derrière, du coup, on a le petit coffre délicat qu'on va prendre, bien évidemment. Mais surtout, on a ce mécanisme qu'on va pouvoir activer et qui va faire descendre le niveau d'eau. Ok. Donc, maintenant que c'est terminé, on va pouvoir aller au prochain point. Descendre dans la grotte submergée. C'est parti, les amis. Se trouve en contrebas sur notre droite. Ça va être à ce niveau-là. Hop. Ici, précisément, dans la petite grotte. Une nouvelle fois, on a ceci. On va devoir jouer, du coup, de la lyre ancienne, comme tout à l'heure. La même chose que pour rentrer dans la grotte. Hein. Puis, on va taper dessus, ça va se tourner, et on va pouvoir rentrer directement dans la grotte. C'est parti. Hop. Et on arrive dans un nouveau... dans une nouvelle pièce, pardon. Donc, du coup, baisser une nouvelle fois le niveau de l'eau. Ok, pour ce faire, il va falloir du coup eh bien, allumer chacune des stèles, mais comme tu peux le voir, elles sont scellées pour le moment. Pour les déceler, il va falloir activer, du coup, invoquer les Dendrogranum. Vous prenez votre meilleur archer et ensuite vous allez envoyer des flèches à cet endroit précisément, puis cet endroit, ok, et cet endroit. Tac. Dès que c'est fait, vous allez le plus vite possible et vous allumez chacune des stèles, hop. Parce que sinon ça va se reset. Ok, ça va quand même assez vite. Donc là vous faites ça. Et normalement, eh bien, vous débloquez un coffre luxueux. Voilà, ce qui est plutôt cool, ça, on va pas se mentir. Ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, eh bien, vous débloquez surtout ce mécanisme-là qui va nous permettre d'activer, enfin du moins de faire baisser le niveau d'eau. Nickel. Donc on fait baisser le niveau d'eau une nouvelle fois. Parfait. Et cette fois-ci, eh bien, on va pouvoir trouver les pièces du mécanisme. On va aller au prochain point. Prochain point qui se trouve là. Ok, on va faire examiner. Parfait. Et on a le premier fragment de mécanisme. Parfait. Donc ça c'est fait, on n'en parle plus. On va pouvoir enchaîner directement sur la prochaine. Ici, ça s'est activé naturellement. Parfait. C'est parti. Prochain point, ici, on se TP là. Let's go. Dès qu'on est au point de TP qu'on avait précédemment activé, eh bien on va au prochain point en contrebas. Ici, c'est parti. Là, ils nous disent d'aller ici. On va directement utiliser, du coup, ces genres de grappins pour aller beaucoup plus vite. Hop. On a d'autres là. Bon, là, c'est à chaque fois, c'est le même chemin. Ils font vraiment en sorte de nous faire gagner un maximum de temps. Donc, ça, c'est plutôt cool. Hop. On a ceci ici. Puis celui-ci. Hop. Et on arrive au point de rendez-vous qui se trouve, eh bien, normalement en contrebas. Ici. Trouver une entrée. Je pense que ça va être à partir de là. Voilà, ici, là. J'avais pas vu. Donc ici, il y a une entrée. Donc pour, en fait, activer cette entrée, eh bien, c'est un peu le même principe que pour celui-ci. En gros, vous activez du coup, enfin, vous invoquez des Dendrogranum. Okay. Et dès que vous les avez invoqués, eh bien, vous pouvez taper avec un archer ou une attaque chargée directement vers cette cible. Et le mur, du coup, se casse naturellement. Et cette fois-ci, ben, c'est l'entrée de la grotte, tout simplement. On va passer par là. Et le prochain point se trouve face à nous. Nickel. Petit dialogue. Ok, ça c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite, on a ceci. Alors, on va tuer d'abord les mobs, ça sera fait, on n'en parle plus comme ça. Voilà, dès que c'est fait, on va prendre ceci. Comme depuis tout à l'heure, toujours la même chose. On doit invoquer des Dendrogranum et après les avoir invoqués, on va pouvoir ensuite les utiliser. Donc, on invoque, on a cet arbre principal, enfin cette plante principale qu'il va falloir détruire. Donc là, hop, attaque chargée. Une attaque chargée aussi ici. Nickel.
Et la dernière se trouve là-bas. Hop là, parfait. Là, on va pouvoir battre ce mob. Et dès que c'est fait, on va surtout pouvoir détruire le miasme. Nickel. Donc ça, c'était pour le coup quelque chose qu'on avait déjà traité lors de la première quête. Hein. Donc pas très très compliqué. Hop, on va pouvoir prendre ce coffre délicat et on va pouvoir examiner ceci. On a du coup normalement la deuxième pièce de mécanisme, le deuxième fragment du mécanisme. Et on va pouvoir continuer la quête. Donc la quête c'est toujours la même. Hein. On va retourner sur le petit livret et on va continuer cette quête. Donc c'est celle-ci en l'occurrence. Parfait. On continue. Prochaine étape ici au niveau du Dendroculus que j'ai pris sans faire exprès tout à l'heure. Parfait. On se TP ici et vous me suivez. Voilà, on arrive sur la gauche. La grotte est déjà ouverte puisqu'on l'a fait précédemment. Et on va continuer notre petit chemin. Hop, et on va sur la droite. Parfait. Dès qu'on est ici, on peut parler au vieil homme. Prochain point, normalement ici en haut. Hop, on va pouvoir parler une nouvelle fois aux chercheurs. Et on a terminé une nouvelle fois cette quête. Bon, c'est de plus en plus rapide et surtout à chaque fois on nous donne 40 primogemmes, voire 30, ou 30 plus les coffres. Donc, ça commence à être pas mal du tout. Donc on va pouvoir continuer la quête. On retourne dans le petit Aranyaka. Hop, lecture. On va dans la quatrième partie. On fait accéder. Et la prochaine quête, du coup, est la suivante. Hop, on doit se diriger ici. On va se TP à ce point de téléportation. Dès que vous êtes au point de téléportation, hop, vous allez du moins ici et vous faites ouvrir la porte. Ok, dès qu'on a fini ça, il va falloir activer les relais. Donc là, pour ce faire, il va falloir descendre, les amis, carrément ici, ok, dans le trou. Et dès que vous êtes là, alors déjà, vous avez des mobs à détruire, donc on va s'en occuper direct. Ok, dès que c'est fait, eh bien, on va pouvoir du coup activer. Les points relais, on fait ramasser et on fait déposer. Ok. Donc là, à côté, en fait, du point relais, vous aviez la possibilité de ramasser quelque chose. Vous aviez juste à ramasser et puis, du coup, déposer. Voilà, rien de compliqué. Je pense qu'il va falloir faire la même chose pour le reste. Ok, après lui avoir parlé, il va falloir, du coup, ramasser ceci ainsi que ceci. Et à chaque fois, vous devrez les déposer ici. Pour compléter et pouvoir activer globalement ce mécanisme. On va lui reparler à nouveau et dès que c'est fait, il va falloir retourner en haut. Pour ce faire, on va faire aller à l'étage intermédiaire. Hop. Parce qu'il y a un système d'ascenseur. Donc là, ce qu'il va falloir faire désormais, c'est activer certaines choses. En gros, prendre la puissance de certains relais, ok, pour ensuite les déposer ailleurs. Donc là, par exemple, ici, j'ai pris l'énergie de ce point relais. Hop, on va le prendre. Là aussi, on va le prendre. Et on va continuer la même chose, hein, un peu partout en fait, tout simplement. Donc là, le suivant, ce n'est pas celui-ci, mais le prochain, puisque là, il en faut 3, on n'en a que 2 en notre possession, logique. Et donc le prochain est celui en face. Vous avez juste à me suivre, en fait, vous faites le. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Le prochain est face à nous. Hop, très bien. Et ici, on peut en déposer 2. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ce qui fait que on va pouvoir récupérer celle-ci. Très bien. Donc, on va les prendre à nouveau. Et maintenant qu'on a les 3, on va pouvoir aller chercher celle-ci face à nous. On va déposer et ouvrir. Puis, hop, on va pouvoir faire ça. On va prendre les 4 en notre possession. Et l'objectif, bah, maintenant, de pouvoir allumer chacun des points relais, donc allumez les 4 points relais. Donc, dès que vous avez les 4 énergies autour de vous, c'est ce qu'il va falloir faire, hein. Vous les obtenez directement à chaque point relais. Donc, vous avez du coup un point relais qui se trouve ici, qui va vous permettre d'ouvrir cette porte juste là, la première. Puis, vous aurez une énergie qu'il va falloir récupérer à l'intérieur. Ensuite, dès que vous êtes allé dans la première salle, vous allez dans la seconde salle qui se trouve normalement ici. Là où on est allé de toute façon juste avant, hein, c'est juste une réexplication de ce que j'ai fait exactement.
Vous allez du coup avec vos deux énergies, ce qui va vous permettre d'ouvrir cette salle, vous aurez une énergie par terre, vous la ramassez, vous reprenez vos deux énergies une nouvelle fois, vous vous retrouvez avec trois énergies. Ces trois énergies vont vous permettre d'ouvrir celle-ci, c'est la pièce juste face à moi, ok? Et puis, suite à ça, vous aurez une quatrième énergie à l'intérieur, ok? Donc là, c'est ce qu'on va faire. Hop, on va poser du coup trois énergies pour ouvrir la salle. Là, normalement, quand vous l'ouvrez, vous avez une énergie qui est au sol. Cette énergie-là, on va la déposer dans le point relais, ok? Et on va faire le sens inverse désormais. Donc là, on a les trois, très bien. On va en face, là où il y avait l'ouverture avec deux énergies, ok? Donc celle-ci. On dépose deux énergies, très bien. Et puis, on va pouvoir, du coup, allumer ce point relais. On reprend nos deux énergies. On continue. On va, du coup, cette fois-ci, aller sur la gauche. Dans cette salle, on va ouvrir avec une énergie et on va déposer l'énergie qui nous reste pour allumer le point relais. Et puis, l'énergie qui nous reste au final, on va la mettre au point relais du départ, tout simplement. On va la déposer et on a résolu l'énigme. Il va falloir détruire un mob, c'est parti. Ok, dès que c'est fait, on va aller en bas de nouveau et on va prendre, même pas l'ascenseur, on va juste se déplacer directement. Hop, et on va aller parler au chercheur. Ok, donc là, on va rappeler du coup, tout simplement, l'ascenseur. Voilà, et on va lui dire d'aller à l'étage supérieur cette fois-ci. Là, on l'attend, et hop, on va pouvoir prendre l'ascenseur, et cette fois-ci, on va à l'étage supérieur, l'étage qui n'était pas accessible jusqu'à présent. Et après avoir fait l'énigme autour des 4 points relais, eh bien, on peut aller jusqu'à l'étage supérieur, c'est parti. Nickel. Donc là, connecter le système d'alimentation de la cabine de pilotage. Une nouvelle fois, ça va être un peu le même principe. On a un point relais qui est allumé. Il faut tous les allumer, bien évidemment. Et pour ce faire, eh bien, on va devoir résoudre certaines énigmes. Donc déjà, on va retirer l'énergie qu'il y a dans ce point relais. On va ouvrir chacune des pièces qui sont sur le côté gauche ainsi que sur le côté droit. On va récupérer cette chronique mystérieuse. Dès qu'on a retiré du coup l'énergie du point relais, on va aller sur la salle de droite. On va déposer l'énergie et on va récupérer celle qui se cache juste derrière. Ça c'est fait. On a du coup maintenant deux énergies. Ça tombe bien, on va en avoir besoin pour la suite. On va retourner au point central puis aller chercher certainement la troisième énergie. Donc on a la possibilité ici d'ouvrir la salle à droite. Ici cache un coffre luxueux. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, eh bien on va aller le récupérer. Parfait, nickel. Et puis, du coup, dans la salle ici, vous avez une nouvelle fois une chronique. Donc dans la salle de gauche précédente, vous aviez une chronique. Chronique mystérieuse. Je crois qu'on ne l'a pas vu dans la vidéo, mais je suis allé la lire. Okay. Et dans cette salle-là, eh bien, vous avez une note une nouvelle fois. Alors, je ne sais pas si ça a un lien un peu direct, mais en tout cas, voilà. On va prendre les deux énergies et puis on va allumer tout simplement les points relais une nouvelle fois, un à un. Donc là, on a ouvert juste les pièces. En fait, ça nous a servi à ouvrir les pièces. Et une fois qu'on a allumé les deux points relais, on a effectué la quête. Ça nous ouvre une petite pièce, ok ? Qu'on va certainement aller découvrir ensemble. Hop là, on retourne en arrière, côté droit, on rentre à l'intérieur. On a une nouvelle fois quelque chose à effectuer, on va activer ceci. Donc là, en gros, j'ai visé ceci. Voilà, lorsque vous êtes dans son gardien des ruines, du futur là, et eh bien vous avez la possibilité de viser ensuite quand vous êtes à l'intérieur, et j'ai visé du coup ceci, voilà, il vient d'exploser actuellement. De toute façon, normalement ça sera dans la vidéo, vous me verrez chercher qu'est-ce qu'il faut viser exactement. Donc là j'ai visé ceci et ensuite on va pouvoir parler de nouveau aux chercheurs. Ok, de nouveau 40 primogèmes, décidément cette quête nous aura donné quand même pas mal de primo, et on va pouvoir aller au prochain point. En l'occurrence, le prochain point se trouve juste ici. On va le suivre, c'est parti. On se retrouve du coup dans l'arbre, dans la main en fait du gardien. On arrive au prochain point. De nouveau un dialogue. Ok, dès que le dialogue est terminé, on va se diriger directement dans ce trou. Hop, ça c'est fait. Et lorsque vous êtes tout en bas, en fait, il suffit d'aller juste là. Tout simplement. Escalader un peu. Et vous pourrez
aller sur le côté gauche. Puisque à gauche se trouve le prochain point. Le prochain point qui nous amène vers un nouveau TP. Donc encore une fois, un TP caché. Hein. Pour le coup, c'est déjà le deuxième, il me semble, dans cette vidéo. Il y a beaucoup de TP qui n'apparaissent pas directement sur la carte et qui se débloquent naturellement, enfin naturellement, après avoir effectué une certaine quête. Donc là, on va aller au prochain point. Ici, on va aller certainement détruire les mobs face à nous. Ok, dès que c'est détruit, on continue notre petit chemin. On va arriver ici. Hop là. Voilà, rien d'autre à faire que suivre le chemin pour aller au prochain point. Ok, prochaine chose à faire, éliminer les mages directement. Donc là, on a deux mages ici qu'il va falloir détruire. C'est parti. Très bien, mage détruit. Ça a un effet sur l'arbre. Ok. Ensuite, on a du coup des mages supplémentaires en plein, au plein au centre, j'ai l'impression. Un peu sur la gauche. On va suivre ceci, voilà, sur notre gauche actuellement. On va les détruire. On va détruire une nouvelle fois les mages, ce qui nous permet une nouvelle fois de compléter ceci. Très bien. On va continuer. La dernière se trouve face à nous. Let's go. On va prendre ça pour aller plus vite. Normalement, ça doit se trouver. Ah non, tout en haut, ok. Donc là, ça se trouve tout en haut. On va se servir des genres de grappins. Hop, celui-ci, je pense qu'il va être accessible. Voilà, nickel. On va pouvoir regarder du coup celui-ci derrière. Hop. Et le dernier mage se trouve là. Hop, allez, on s'en occupe. Et après, on aura terminé. Ok. Mage détruit. On a complété notre petite mission. Très bien. Et on va continuer et aller au prochain point. On va se servir des grappins. Nickel. Il va falloir par contre aller en hauteur de ce que je comprends. On va se servir du grappin ici. Hop. Et j'ai vu qu'il y en avait un ici. Voilà, nickel. Puis un ici. Voilà. Et on est au centre. Parfait. Dès qu'on est au centre, nouvelle cinématique. Ah, un mob qu'il va falloir détruire, j'imagine, un apôtre. Très bien. Ok, on va se battre contre un apôtre. Let's go. Ok, apôtre détruit. Prochain point en hauteur. Une nouvelle fois, on va se servir des mécanismes, enfin du moins des grappins. Ok, il va falloir retourner, je pense, tout en haut. Ici. Voilà, nickel. Et normalement, cette fois-ci, on va pouvoir vraiment soit actionner quelque chose, voilà, désactiver l'appareil. Hop là. Par là. Alors non, il faut aller tout en haut. Cela dit, je crois qu'en fait, c'était pas par là qu'il fallait passer, mais plutôt par ici. Si je dis pas de bêtises, voilà, ici. Hop là, vous passez par là. Et vous quittez la pièce en allant sur la gauche. On continue notre petit chemin. On a quasiment terminé, les amis, hein. Normalement, après celle-ci, la quête sera finie. Elle était très 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 longue. Très 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 longue. Alors, je sais pas combien la vidéo va durer, mais je pense une facile, je pense, 20-30 minutes. Mais clairement, ouais, une vidéo assez longue. Après, bon, ben voilà, hein, c'est au moins on a du contenu, c'est plutôt cool. Hop, on continue à prendre ça pour aller plus vite. Ah, bah, c'était juste ici, pardon. On va aller parler à Harari. Et on a fini une bonne fois pour toutes. On a débloqué du coup un objet de quête supplémentaire, des primogèmes supplémentaires. Je sais pas combien on a gagné de primogèmes, mais ça a été assez copieux. Je pense facile. Déjà, un vœu, c'est sûr et certain. Et on a débloqué aussi des petits succès. Voilà, on a celle-ci. À côté de ça, on va dans l'inventaire et on peut voir qu'on a débloqué une nouvelle des histoires des Aranaras et vous. Donc, ça va nous permettre de débloquer une nouvelle arme free-to-play craftable de Sumeru. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus pour les débloquer une à une. Je vous invite directement à aller la check, ça sera en description ou par là à l'écran. On a terminé, j'espère en tout cas cette vidéo t'aura plu et surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésite pas également à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Je suis également sur Twitch ainsi que sur TikTok, les liens de ces deux chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de Sumeru et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!